Mesdames, mademoiselles, messieurs, après avoir traversé tout le Mercure d'Antioche, nous voici arrivés en rade de l'Index. Avant de vous parler du Fort Boyard et de s'en approcher, j'aurais voulu vous situer un peu. Sur notre arrière, tout d'abord, il faut imaginer que nous avons laissé La Rochelle. Nous sommes à environ 20 km du vieux port de La Rochelle, par bateau bien sûr. Sur notre droite, vous trouverez l'île d'Oléron. À notre gauche, l'île d'Aix, que nous irons rejoindre dans quelques minutes. Et puis, entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron, se trouve donc également le désormais célèbre Fort Boyard, bien évidemment grâce aux émissions de télévision Les Clés du Fort Boyard. C'est sous Napoléon, en 1804, que les travaux commenceront, car à cette époque, il faudra enfin trouver le moyen le plus efficace afin de protéger la rade de l'île d'Aix et surtout le arsenal militaire de Rochefort, situé à quelques encablures sur les bords de la Charente. Pour défendre avant le Fort Boyard, il n'y avait que des batteries de défense sur Aix et sur Oléron, mais du fait de la très faible portée des canons à cette époque, l'anglaise pouvait se frayer un passage entre les tirs de ses canons et s'attaquer ainsi facilement à l'arsenal et à l'index. La construction du Fort Boyard demandera environ 50 ans, pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est que les hommes ne pouvaient travailler que quelques instants seulement, à marée basse et pendant l'été, afin de poser au fond de la mer des blocs de pierre qui serviront à la construction du rocher artificiel sur lequel le Fort Boyard repose. La deuxième raison, c'est que chaque hiver, pendant les tempêtes, tous ces blocs de pierre amenés pendant l'été précédent étaient enlevés et éparpillés au fond de la mer, ce qui fit que chaque année, tous les travaux étaient à recommencer.